Salut les abonnés. Je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je suis venu pour récapituler la dernière vidéo que j'ai faite sur les astuces pour éviter la mauvaise langue. Le titre était Les 4 meilleures astuces pour éviter la mauvaise langue. Je ne suis pas bon en français, mais il faut parfois faire le tout pour que tous les abonnés puissent comprendre. Et il y a certains abonnés qui nous demandent de faire les vidéos en français. C'est pour ça que je récapitule. Je refais cette vidéo en français. Pour ceux qui ne comprennent pas Wolof. Cette vidéo sera courte et veuillez m'excuser pour les fautes que je ferai pour le fait que je ferai parce que je ne suis pas bon en français. Et je disais sur la vidéo que parmi les quatre meilleures astuces pour éviter la mauvaise langue, parce que la mauvaise langue et œil, personne ne peut y échapper. Ça touche à personne. Ça touche à tout le monde, du moins. Ça touche à tout le monde, tout le monde. On peut pas avoir quelque chose et qui ne fait que la mauvaise langue ne nous touche pas ou genre. Non, 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 ce n'est pas possible. Mauvaise langue et mauvais œil, ça touche à tout le monde. On peut pas faire quelque chose qui fait que la mauvaise langue ne vient pas chez nous. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire des choses qui les enlèvent. Mauvaise langue et mauvais œil, on les enlève. Il faut l'enlever, mais on peut pas les barrer à venir. C'est pas possible ça. Et pour les astuces, la première astuce est de dire Tabarakallah. Si quelqu'un te dit quelque chose, comme par exemple t'es meilleur ou t'es bon, prati prata. Dis-lui de dire Tabarakallah. S'il peut pas le dire, toi-même tu dis Tabarakallah, Mashallah. Ça, c'est une astuce. Tabarakallah, c'est un mot qui fait beaucoup de choses, mais parmi lesquelles éviter les mauvaises langues. La deuxième chose, c'est prendre de l'eau et le verser. Si quelqu'un te dit quelque chose, comme témir ou quoi que ce soit, ou genre, verser un peu de l'eau, comme des petites gouttes d'eau, sur lui, ça aussi, peut éviter les mauvaises langues. Genre, ce qu'il disait, il peut pas, genre, ce qu'il disait sur toi, ça, il l'enlèvera. La troisième, c'est de toucher du bois. Si on te dit aussi quelque chose, tu peux toucher du bois. Si tu touches le bois, ça aussi, peut pas te, cette parole-là ne peut pas te détruire, ne peut rien pour toi. La quatrième chose, c'est un peu, c'est la quatrième chose, c'est par exemple, ça, je ne sais pas comment le dire en français, mais par exemple, si tu prenais tes mains et tu les mets dans tes genoux. Je ne sais pas comment dire en français, peut-être c'est abonné. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais la quatrième astuce, c'est ça. Tu lui montres, par exemple, tu lui montres ton dos là, mais il faut un peu. Je ne sais pas comment dire en français en tout cas. Mais en tout cas, ce sont des astuces qui sont trop, trop, trop bonnes pour éviter les mauvaises langues et les mauvais œils. C'était ça et veuillez m'excuser pour les fautes et aussi s'il n'est pas aussi trop clair. Peut-être c'est que je ne suis pas bon en français et je débute peut-être d'ici quelques améliorations. Je serai mieux d'ici quelques mois et quelques jours. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des likes et partagez mes vidéos. Merci beaucoup.